d'accueillir aujourd'hui Marion Sarrault, une dame que je pourrais dire une incontournable du monde de la télévision en France. Exactement, d'abord bonjour à tous. Incontournable pour de multiples raisons, parce que d'abord je fréquente l'univers de la télévision quand même depuis une quarantaine d'années. C'est pas jeune, mais j'y ai beaucoup sévi. C'est mon univers, c'est mon monde. J'ai fait à peu près, je dis bien, tout ce que j'avais envie d'y faire. Voilà, c'est-à-dire que d'avoir le plaisir de travailler sur un plateau avec des comédiens le plus souvent possible, alors qu'au cinéma, souvent, c'est un peu compliqué parce qu'il faut attendre 3 ans pour faire un film, donc c'est long, compliqué. Tandis qu'à la télévision, on peut avoir la chance de faire 3 films par an, c'est-à-dire 3 films par an, c'est énormément de temps passé avec les comédiens, la direction d'acteurs, etc. Alors, toute l'année, vous êtes aux prises, en contact avec des comédiens. Nous, sur castingsurf.com, nous nous adressons aux comédiens. Imaginons, pour certains, confirmé, d'autres moins. Imaginons que vous ayez un jeune comédien face à vous qui essaye de, je sais pas, d'obtenir un rôle dans un de vos films. Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, je voudrais dire tout d'abord que la direction d'acteur est mon cheval de bataille. J'ai été comédienne moi-même, j'ai fait la rue Blanche, j'ai passé le conservatoire, etc. Donc, c'est un métier que je connais bien, que j'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais travailler. Travaillez, bossez, travaillez, travaillez, apprenez votre métier, prenez le temps, prenez tout le temps. Ne vous précipitez pas à jouer, ça ne sert à rien parce qu'il faut, pour être acteur, une énorme maturité. Pour arriver, même quand on est un jeune acteur, il faut. Alors, ce que je leur dirais essentiellement, c'est que lorsque vous avez la chance d'avoir un rôle, peu importe, dès que vous avez fini, allez travailler, allez dans un cours, apprenez, prenez un coach, travaillez. Ne ratez jamais cette occasion de travailler, parce que je prends par exemple le cas des acteurs américains. Je me souviens avoir entendu Sharon Stone qui disait, entre autres, ou Nicole Kidman, c'est que dès qu'elle avait fini un rôle, elle allait prendre des cours de théâtre. Donc, c'est une chose que l'on a perdu un peu, la notion du travail en France. Les jeunes acteurs, je les trouve très souvent pas suffisamment travailleurs. C'est-à-dire qu'ils croient que tout de suite que les choses sont arrivées, parce qu'on leur propose un rôle, c'est faux. C'est le début des ennuis, j'allais dire, quand on vous propose un rôle. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faut, mais je dis travailler, le travail, le sérieux, retrousser ses manches, travailler et ne jamais, parce qu'il y a le travail du quotidien de la vie qui est de regarder les autres vivre, d'apprendre, d'aller d'un univers à un autre, mais il y a aussi le travail, c'est-à-dire que vous avez les aînés qui vont vous apprendre et ne ratez jamais une occasion d'apprendre et de travailler. Voilà. Alors vous parlez des vertus du travail, vous y croyez beaucoup, c'est tout à votre honneur, mais j'imagine un comédien qui se lance dans ce métier-là, qu'est-ce que ça, travailler, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce qu'il y a pour un comédien un angle à essayer de développer, un point d'accroche, quelque chose auquel il faut s'accrocher? Parce que travailler, on répète des textes, on va voir des films, on va voir des castings, enfin on essaie de passer des castings, mais ça veut tout dire et rien dire. Est-ce qu'il y a un angle plus particulièrement? Alors justement, vous dites passer des castings, c'est pas du travail. C'est un travail, si vous voulez, c'est comme, exactement, imaginez un médecin, prenez un médecin. Médecin, avant d'être médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait minimum 10 années d'études. C'est-à-dire qu'il devient le plein emploi de lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait une formation pendant 10 ans de sa vie où il a appris les arcanes de ce métier, il a tout appris. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas commencer trop jeune. C'est pour ça que moi, à l'époque, je me souviens quand j'ai fait la rue Blanche, on avait 3 ans de rue Blanche, ensuite on avait 3 ans de conservatoire, on n'avait pas le droit de jouer. On n'avait pas le droit de jouer. Bon, on dirait que c'était un petit peu lapidaire. Mais ce que je trouve, c'est que quand je dis allez, formez-vous. Formez-vous à l'école, apprenez des textes, travaillez avec d'autres comédiens, écoutez ce que vous dit vos maîtres, rencontrez les maîtres, apprenez tout d'eux. Et puis après ça, quand vous-même vous vous sentirez que votre substance est devenue acteur, j'allais dire vraiment, vous êtes devenu acteur, que vous commencez à ce moment-là, vous vous mettez sur le marché. À ce moment-là, vous commencez à travailler. Et vous avez pris le temps, j'allais dire, de l'apprentissage, de la réflexion, de la connaissance, apprendre des textes, travailler sur les textes. C'est tellement important de travailler sur les textes. Il faut, c'est-à-dire qu'on devient soi-même son propre instrument de musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que prenez un musicien, il fait combien d'heures de gamme par jour?
Donc voilà, c'est ce que je conseille. Tous les textes, commencez par le classique, c'est très très difficile. Le classique, c'est horriblement difficile. C'est donc, si vous prenez un Musset, par exemple, ou un Marivaux, si vous prenez, vous allez voir comme la langue est difficile et compliquée. Vous prenez un Victor Hugo, vous prenez un Molière, vous allez voir comme la langue est compliquée. Essayez de comprendre ce que veut dire l'auteur. Essayez de comprendre, essayez de l'intégrer comme si c'était vous qui l'avez dit. Vous l'intégrez à vous-même, et à ce moment-là, mais c'est un travail. Vous savez que le travail d'acteur est un travail horriblement difficile, est un travail énorme, est un investissement personnel absolument énorme. On n'est pas acteur comme ça. C'est pas le Loft, attention, c'est pas Star Academy, c'est pas tout ça. C'est être un véritable acteur. Et je vais vous dire une chose, vous attendrez peut-être 3, 4, 5 ans, mais ça sera toujours payant, parce que le jour où vous arriverez sur le marché, on dira oh, putain, ce mec, il a une maîtrise de lui, il a une connaissance de ce qu'il est lui et de son métier d'acteur. On pouvait vous mettre à n'importe quelle face, à n'importe quelle situation, où vous trouverez très souvent des metteurs en scène qui ne vont pas vous diriger, et vous serez toujours capable de sortir quelque chose de vous. Et c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Marion Sarrau. Merci. Merci et bon courage à tous. Et vraiment, c'est un métier extrêmement difficile, c'est un métier extraordinaire. Mais croyez-moi, l'effort, le travail, n'oubliez jamais.